comme promis, on se retrouve pour la deuxième vidéo qui parle de Snazer. La première, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'était celle-ci. Vous revenez juste une vidéo en avance, ce sont les IE300, les Intra, donc le casque audio que j'utilise sur ce setup. Je le pose ici sur le côté. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce petit truc noir poilu là ici qui pointe vers le siège. Vous savez ce que c'est bien entendu. C'est un micro. Et puis de toute façon, pour ceux qui n'avaient pas deviné, c'est marqué en grand sur la vidéo. Je peux plus rien pour vous les gars. Alors, qu'est-ce que c'est que ce micro? C'est tout simplement celui qui vient du MKE400 Mobile Kit. Voilà, j'ai mis les mots dans le bon ordre cette fois-ci. Alors, ceci, je le bouge, c'est la bonnette, comme on appelle ça en français. C'est pas très sexy. Hein. Le dead cat, je crois, en anglais. Le chat mort, c'est tout simplement un petit truc poilu qu'on met sur le micro quand on filme en extérieur pour essayer d'atténuer les effets du vent. On ira tester en extérieur. Ici, je vous fais la présentation en studio parce que nous, on va l'utiliser dans les lives et vous le verrez en fonctionnement en intérieur dès si peu, parce que l'idée aussi d'avoir ce micro, c'est de enfin relancer les lives qu'on ne pouvait pas faire maintenant depuis quelques temps parce que les conditions ne s'y prêtaient pas et le matériel non plus. Ici, c'est vraiment dans le but de relancer ça rapidement et j'espère qu'il va vraiment nous aider à faire des bonnes captations de son. Donc, ça sera en intérieur, vous le verrez en fonctionnement tout le temps. Mais je veux aussi vous le montrer en extérieur parce que comme son nom l'indique, c'est un mobile kit. Alors qui dit mobile kit dit que c'est pour les gens qui vont aussi faire des vlogs, qui sortent en extérieur. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, de voir comment il se comporte en extérieur. Avant de s'attaquer au micro en lui-même, vu que c'est un mobile kit, on a alors ici un petit sac pour mettre tout ce qu'il faut, les câbles et compagnie, on y reviendra. Ici, alors on a déjà le pied frotto, ça c'est un Manfrotto. Même précisément, un petit trépied très connu dans le milieu, super pratique, très léger, avec ici un système de sphère que vous pouvez vraiment orienter comme vous le souhaitez. Et en fait, ce trépied, vu qu'il a une bonne ergonomie, vous pouvez le tenir en main comme une poignée et filmer. Ça, c'est le premier élément que vous recevez avec le mobile kit. Je vais vous montrer après l'assemblage complet. Ici, Snazer a usiné cette pièce-ci que je trouve vraiment très sympa. C'est une griffe. Alors, je vous montre, on peut... Alors, je vais d'abord l'ouvrir en... Voilà, je vais le mettre... Vous voyez, on peut le mettre en mode portrait ou en mode paysage. Et alors, pour que vous puissiez bien voir, c'est tout simplement une griffe qui peut accueillir votre iPhone ou Android ou quoi que ce soit. Et que vous venez, bien entendu, alors du coup, fixer ici après sur le Manfrotto. Voilà, jusque là, rien de compliqué. Donc, vous vous retrouvez avec la poignée, votre téléphone fixé dessus. Et on va rajouter par la suite ce micro-ci, enfin avec la petite griffe qui est prévue. On va en reparler. Est fourni également d'origine dans le pack deux câbles bleus comme celui-ci. Ici, j'en ai un. C'est celui qui est prévu pour les smartphones. Vous avez smartphone, PC et aussi les connectiques Android, iPhone plutôt, parce que ce sont deux types de jack différents à quelques micromillimètres près. Mais sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, les deux câbles sont fournis. Donc, ça, c'est très chouette. Android, iPhone couvert et également PC, parce qu'au final, moi, j'utilise sur PC. Et donc, quand vous avez ceci, vous mettez votre téléphone et puis vous venez clipser au-dessus sur avec le système de griffe le micro. Alors le micro, je vais le dévisser ici pour pouvoir vous le présenter. Alors, hop, voilà, c'est un micro directionnel, même s'il capte un petit peu les sons. Alors, c'est-à-dire qu'il y a différents types de micros. Il y a les micros ici cravate qui sont ultra directionnels, qui visent vraiment, dans ce cas-ci, vers ma bouche pour capter les sons et qui essayent de pas trop capter ce qui se passe autour de moi. Il y a des micros qui sont omnidirectionnels, que vous mettez au milieu d'une pièce qui capte tout ce qu'il y a autour. Et puis, il y a ce type de micro-ci qui sont un peu plus directionnels, un peu moins directionnel que ceux-ci, qui captent sous un plus grand angle et qui vous permettront par exemple d'ailleurs d'interviewer des gens. Donc ça va pointer, ça va entendre le son de la personne qui répond, mais ça captera quand même un petit peu le son derrière via un autre micro ici. Donc c'est vraiment un système intermédiaire et pour ma part, je trouve que c'est vraiment une bonne solution pour les vlogs parce que ça permet aussi parfois de capter des sons d'ambiance ou le siège qui bouge, ce genre de choses-là, et ça ne focalise pas trop sur la voix. Comment ça se présente? Déjà, c'est 95 grammes, c'est super léger. Ici, à l'arrière, vous avez le compartiment pour les piles. Ce sont deux piles AAA. Durée de vie moyenne des piles, plus ou moins 100 heures. Ça, je le confirme, je l'ai déjà utilisé. Moi, je l'utilise tous les soirs, que ce soit sur Discord ou autre avec la team. Ça tient très, très longtemps. Et vous avez ici sur le côté, alors je vous montre, hop, je l'ai allumé, la petite loupiote verte. Quand c'est vert, c'est que c'est bon. Quand ça se met clignoté rouge, vous avez encore 3 heures de durée de vie plus ou moins. Pour ma part, je fonctionne avec des piles rechargeables, donc ça, voilà, ça tourne constamment vu qu'il reste longtemps allumé durant les sessions. Mais durée de vie 100 heures, c'est plus ou moins ça, j'ai pas calculé à l'heure près, mais ça a l'air assez réaliste. Sur le côté, on a donc le on-off.
Première chose intéressante avec ce casque-ci, c'est pour ceux qui ont déjà fait des tournages, il n'y a rien de pire que de commencer un tournage et puis se rendre compte qu'on a oublié d'allumer le micro. Eh bien, le micro va s'allumer tout simplement automatiquement quand vous allumez par exemple votre appareil réflexe ou ce genre de choses-là. Il va voir qu'il y a une activité en cours, il allume directement le micro et idem, il éteint après. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que pour ceux qui ont fait des tournages, qui ont fini et qui se rendent compte qu'ils ont oublié d'allumer le micro, c'est un calvaire, on peut tout recommencer. Donc là, c'est vraiment le premier point positif, c'est qu'il s'allume tout de suite. Ça c'est pour le power et ici à côté vous avez deux boutons, deux commutateurs de niveau. Vous en avez un qui est plus sur le gain, donc vous pouvez capter plus ou moins fort le micro. Donc si vous êtes dans un environnement où vous vous rendez compte que votre interlocuteur ou les bruits que vous voulez capter sont un peu trop bas, vous activez le gain et directement ça va faire un plus X%, je sais pas combien, mais c'est vraiment assez fort. Donc ça il marche très bien. Et il y a un deuxième commutateur qui est plus sur les fréquences qu'il va capter. Il y en a un qui va être vraiment assez directionnel et qui va capter tout ce qui se passe juste devant lui, et un qui est plus global. Donc vraiment avec les deux boutons, vous switchez d'un à l'autre, vous pouvez le faire live d'ailleurs pendant une interview ou pendant que vous roulez, ça fonctionne. Ici à l'avant, vous l'avez vu, c'était ceci, je l'avais branché, c'est donc la sortie pour partir vers votre PC, votre iPhone. Et alors autre chose que j'apprécie énormément sur ce micro, c'est ceci, de l'autre côté vous avez un bouton volume et de nouveau une prise jack comme ici, sauf que cette prise jack c'est pour une pré-écoute, c'est-à-dire que vous avez vos écouteurs, vous branchez dessus et vous entendez en live ce que vous captez avec le micro. Ça vous permet en fait de faire justement les fameux réglages des commutateurs sur le côté, savoir si le son est bon, s'il n'y a pas trop de vent, si vous êtes bien orienté vers les personnes. Donc voilà, au final, c'est un super micro qui est vraiment assez complet. Et alors, on voit ici en dessous la petite griffe qui vous permet donc de venir fixer celui-ci sur l'iPhone. Donc voilà, un produit que j'ai hâte de mettre en action dans les lives. Et ici, surtout maintenant, on va les tester un petit peu en extérieur pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de l'utilisation de ce micro avec, sans bonnette, avec ou sans les commutateurs, le gain et compagnie. Let's go, on va dehors et puis on finalise cet essai. Je vous donnerai mon avis et aussi on va parler du prix. Allez, nous voilà en extérieur, téléportation dans un cadre plutôt joli et il commence à faire nuit. Je crois que le soleil se couche, voilà, quelque part ici derrière moi. Enfin, nuit, tout est relatif, l'iPhone se débrouille bien. Je suis ici dans le mode boost maximum avec la bonnette. Il y a très peu de vent, comme ça vous voyez sur les feuilles derrière. Il y en a un tout petit peu, mais comme ça, ça vous permet d'entendre ce que capte le micro. Il est vraiment au mode maximum. Je vais me taire un instant. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'il peut capter. Alors comme je le disais, il y a trois modes de captation, en tout cas trois gains au niveau du micro. Et il y a également une possibilité de capter des fréquences plus ou moins graves ou plus ou moins aiguës. Alors je vais switcher les fréquences, vous allez voir. Voilà, ici je viens de faire le switch, donc je n'ai pas touché au gain, on est toujours au maximum. On doit être à la limite de la saturation, on est vraiment très très haut, mais on doit être bon. Je me tais un instant. Ok, voilà, ça vous permet de faire une idée. Donc en gros, vous pourriez très bien faire le blogging comme ça. Vous êtes vraiment cool en termes de level. Vous pouvez régler assez facilement celui-ci. Je vais baisser cette fois-ci le gain. Je vais me mettre au milieu, parce qu'il y a trois positions pour le gain. Je me mets au milieu. Voilà. Là, je suis en gain milieu, entre guillemets. Donc normalement, vous m'entendez toujours assez bien. Bien entendu, un peu moins fort. J'aurais rien touché en post-production. Le but, c'est quand même que vous puissiez comparer sans qu'il y ait de modification de mon côté. Donc là, c'est vraiment 100% tel que ça a été enregistré. Je me tais un instant. Voilà. Normalement, vous entendez, à mon avis, pas grand-chose. Il y a très très peu de vent, donc je vais laisser la bonnette, ça ne changera pas grand chose. Quoique je peux la bouger après, on fera un test son. Et là, je vais passer dans le mode vraiment le plus petit au niveau des gains. Là, vous m'entendrez, à mon avis, assez peu. Voilà, on est passé en mode gain minimum. Si ça se fait, vous voyez juste bouger mes lèvres, mais pas beaucoup plus. Maintenant, c'est vraiment le gain minimum. Moi, je vous conseille de travailler quand même en ayant un peu plus de marge. Alors ici je suis repassé en mode maximum parce que c'est avec celui-ci que vous allez entendre la plus grosse différence. Donc là je suis avec la bonnette, je regarde, bon hop on va se mettre comme ça, voilà vous voyez les feuilles au-dessus de moi, ça bouge très légèrement. Là il y a un petit coup de vent, je vais retirer la bonnette. Si j'y arrive, voilà. Ouais, ça souffle un tout petit peu, vous l'entendrez peut-être très légèrement. Mais ça devrait être assez raisonnable aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas des grands vents. Bon maintenant c'est pas non plus des micros utilisés en pleine tempête, on est d'accord. Mais ah voilà, là ça souffle un peu plus. Comme ça, ça vous donne une idée. Bon, du coup, maintenant, let's go, je retourne à l'intérieur, je vais finir de promener
monsieur qui est là et qui attend sagement avec moi. Et puis, on finalise cet essai. À tout de suite. Bon, si j'ai bien fait mon boulot et que les séquences sont montées dans le bon ordre, vous venez d'avoir une séquence en extérieur. Vous avez pu juger de la qualité du son. Si les captations sont bien faites, vous verrez que le son en fait est excellent. Pour ma part, ce que je pense de ce micro, pour résumer, vraiment, j'en suis super satisfait. Tant par rapport aux options qu'il propose, qui ne sont pas sur tous les micros de ce type-là, c'est un micro vraiment très léger, très performant. Clairement, c'est un micro que je vais utiliser pour les lives, les streams, mais c'est aussi mon micro dorénavant en extérieur. Quand je vais aller faire du vlogging ou ce genre de choses-là, typiquement cette année, si les conditions le permettent, on verra un peu où on en est à ces moments-là, mais les 24 heures de Spa, les 24 heures du Mans, j'espère pouvoir les couvrir également. Je vous ferai des lives avec ceci et puis des séquences qui seront capturées avec le Snazer. Donc comme quoi j'en suis convaincu. Reste un point qui vous intéresse, le prix 229 €. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Snazer Belgique France. C'est 229 € TVA comprise et livraison comprise si vous passez par leur site. Donc ça vaut la peine et c'est tout à fait raisonnable pour ce type de produit. J'espère que cet essai vous a convaincu ou en tout cas vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et moi je vous dis rendez-vous très très bientôt parce qu'il y a encore plein de choses que je dois vous présenter. Salut !